Et salut à toutes et tous, c'est Dark pour Amatest et on continue la partie de Zoo Tycoon 2 hein, avec les dinosaures, enfin avec toutes les extensions mais non, et dans les dinosaures. Donc comme peut-être que vous regardez la vidéo précédente juste avant, hein, j'avais placé l'enclos pour accueillir les Lorix, je sais plus quoi, bleu là. J'ai oublié son nom. Il était là, c'est l'élan, oui, l'hypothrac bleu. Et là, on va le jarter, on va le jarter, ça, on va le jarter. Pardon. Ok. Les gens ont l'air contents. Il coûte combien l'hypothrac? 3000, ok. Non, si je me souviens, j'avais tout vendu avant. Et moi j'ai 2-3 trucs ici et là, mais bon, c'est pas ça qui va me rapporter de l'argent. Prendre 2-3 arbres ici. Je vais supprimer celui-là, comme ça les gens verront mieux l'animal. Ouais. Mais si, ils sont dans mon zoo qui me donne de l'argent! Nom de Dieu! Ah, c'est quoi ça? Un ratel. Il court sur pattes, mais il fait endurance. Ah, c'est un blaireau d'origine d'Afrique. Ok, ça c'est un beluga. Ouais. Beluga, il doit coûter. Ah, c'est tout. Mais bon, pour l'instant, il faut que je me contrôle. C'est l'hypothrac bleu. Mais c'en est un ou deux. Ajoute un. Ok, donc. Faut juste que j'attende d'avoir. D'ailleurs, l'entrée de mon zoo est à combien? 20, on va laisser à 20, de toute façon, c'est pas ça. Ça fait. Oh, pas mal! Dommage que les gens soient pas plus heureux de voir ça. Ce serait bien. Canon pirate. Bateau pirate. Je regarde. Ah, ça c'est joli. Je la mets pas parce que j'ai pas d'argent, mais c'est joli. Oui, pour les gens pour qu'ils s'amusent. Un hippocampe. Faut bien ça pour les amuser. Hein. Continue. Ok. Ça va, donc c'est des toilettes que je dois rajouter. Il y en a là. Je vais en rajouter. Chute là à côté. Ah, je voudrais pas gaspiller de l'argent, mais là j'ai pas le choix quoi. Et donc je vais rajouter des toilettes. Il faut aller voir les toilettes. Grand modèle 2, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ouais, tiens, je vais. Mais j'ai peur que le bison et le truc soient, même s'ils sont ensemble, j'ai peur que soient pas très contents. Donc, j'ai pas envie de d'utiliser les deux, quoi. J'ai pas envie de mettre les deux ensemble. Ah, voilà, enfin. Respectez votre mangeoire, ok. Votre la mangeoire, ils n'ont pas encore réglé ce problème. Ah, c'est pas difficile de savoir écrire en français, quoi. Des millions de personnes le font tous les jours. Mais c'est bon là, regarde, ils sont satisfaits, ces besoins physiologiques là. File-moi la thune. Hey, file-moi la thune là. Ah, je vous jure, qu'est-ce qu'ils peuvent être lents.
C'était pas le truc que je voulais bouger, c'était les mangeoires. Parce que là, toutes les unes à côté des autres, ça me stresse, mais violent, quoi. Ah. Voilà, ils sont un peu séparés. Leur partenaire 5. Donc 4, 5, 6, 7. Il faut que j'en trouve 2, 3. What? Voilà. Ok. Bon, de toute façon, ça dépend, ça se reproduit vite. Dès que t'en as deux, trois, deux couples, ça se reproduit assez rapidement. Allez, je crois que je vais en mettre un deuxième. Donc, ouais, tu n'aimes pas taper ton truc? Encore, attendre encore un peu. Je vais couper la vidéo ici et vous reprendre lorsque j'aurai 3000 pour lorsque je pourrai acheter le truc. Sinon, on va attendre 2 minutes pour rien, quoi. À tout de suite. Me revoilà, hein, donc j'ai attendu 3 minutes. Donc, vous aurez pendant 3 minutes eu cet écran en attendant les 3000$. Ça aurait été très long. Donc, on va mettre les potes à gamelle. Voilà, maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Et le jeu m'a dit que les gens voulaient des desserts. Donc, desserts. C'est quoi ça? Marchand de souvenirs marrant. Des desserts. C'est quoi ça? Sucre d'or, jouissant. Ok, on va mettre juste des barbes à papa. On fait ça. Ça, je sais pas, on a dit, ça doit être les gens, ça doit les amuser, je pense. Ouais. On va mettre barre en papa là, et puis il y a quoi d'autre ici qu'on pourrait mettre? Tiens, on va mettre celui-là, on va développer. Ah, ça c'est bien. De combien? De 24, attends, en 10 jours, ils se sont aimés, et ils veulent déjà, et elle a déjà mis en, et elle est déjà enceinte. Pas tant chez les animaux. Je vais mettre ça aussi pour. Parce que j'ai beau mettre ce qu'ils aiment. Rien à faire. Hein. Donc je navigue entre 2 étoiles et 2,5 étoiles. Ah, voilà. Outre l'adoption d'animaux disparus, vous pouvez les créer dans le laboratoire de recherche animaux disparus. Si vous achetez ce type de laboratoire, le conseil peut vous aider en finançant la moitié du coût du bâtiment. En votre. Ah, ok. On a gagné 5000. Acheter un laboratoire de recherche animaux disparus. Je viens d'avoir 5000. Parfait, merci beaucoup, monsieur. Construction. Par contre, je sais pas où c'est ça. Non, c'est pas le centre de formation. Animaux disparus, voilà. Voilà. Ok. 8000. Oh, ça va. Bon, bah, je vais le placer. Ah non. La porte est de l'autre côté. Oui. Ici. Donc, déjà, on va déplacer cette poubelle. On va la mettre plus par là, déjà. Parce que là, je vois pas ce qu'il y a fou là-bas. Ah. Tu fais pas avec ta grosse truc au-dessus de la tête. Ah, c'était un œuf, je crois que c'était un. Faut pas laisser ton œuf comme ça, mais il est de nulle part, hein. Il risque de se faire quick. Non,
des desserts. Non, il a dû finir le truc. Voilà. Machin de popcorn, voilà. Allez. On se dépêche, s'il vous plaît beaucoup. C'est français cette phrase? Je ne pense pas. Ils vont bien, ils ne les a pas encore beaucoup vus, à part dans l'épisode 1 vite fait, mais là je ne me suis pas occupé depuis le début, ni les autres capis derrière. Si jamais elle me demande que l'animal veut s'accoupler, je sais pas comment je fais quoi. Le premier dinosaure à plumes ayant été découvert. Quoi? Oh non! Oh shit! Un grenouille coûte 3000, une tortue verte 2000, 5500, 3000, bouquetin, et ça 7500. Bon, je pense que je vais faire. Désolé, j'ai un peu mal à la gorge. Je vais faire comme tout de suite. Rendez-vous. Bah, tout de suite, justement. Je ne change rien. Tout à l'heure, j'ai juste mis une petite bande de sable ici pour que les gens voient mieux l'animal. Sinon, j'ai rien touché d'autre. Je vous reprends maintenant parce que, même si on a bientôt fini, mais c'est surtout la phrase que vient de m'afficher l'Okapi, le truc que je craignais. Okapi 3 veut s'accoupler mais ne trouve pas de partenaire. J'aurais dû fermer ma bouche. Donc j'ai bientôt les 8000 qu'il fallait. Maintenant que votre laboratoire est installé, le moment est venu de vous mettre au travail. Sélectionnez le laboratoire et trouvez quelques fossiles. Le conseil de repeuplement de l'île paléontologique veut vérifier si vous êtes capable de découvrir suffisamment de fossiles pour reconstituer des espèces disparues par vous-même. Ah, on vient de gagner 4000 parce que... Ah, facultatif, Charlie Stoneberg, le célèbre acteur. Qui est l'acteur célèbre? S'est rendu dans votre zoo habillé en homme des cavernes. Il réalise un film sur l'île pathologique qui se fait de voir s'il voit trois espèces disparues différentes, en même de votre montrant, vous aurez plus de visiteurs. Alors, trouver des fossiles. Et il faut là, on est en mode chercheur de fossiles, donc il faut... Ah, non. Voilà, ensuite... On creuse. De dodo. Ok, on creuse ici. On creuse ici. Ils vont attendre 2 minutes. Ils sont sur le point de mourir, non? Mais je m'en fous de l'oroc. Oh non, mais je... Oh là là, j'ai la poisse. Mais les autres bleus, je m'en fous, je l'ai déjà.
mais je vous jure, je ressemble à quoi là? Ah oui, on peut aussi chercher sous l'eau, hein. C'est dans le jeu, lui, il s'en fout, lui. On est amphibie dans ce jeu-là. Vous voyez, on a grimpé le truc, mais maintenant que vous avez tous les morceaux, reconstituez leur puzzle. Le rendez-vous laboratoire de recherche animaux disparus, assemblez les morceaux de fossiles, vous recevrez une autre subvention. Ok. Complètement. Ah bah ok, carrément. Je sais pas si c'est amusant pour vous, pour moi ça l'est assez moyennement, faut bien l'avouer. C'est vraiment chiant quoi. Est-ce qu'il a l'air vraiment d'aimer le jarret de bœuf, mon truc? Faut que je vire ça, parce que sinon, je sens que je vais avoir des problèmes. Ah non, il faut que je retourne là-dedans et que je fasse une recherche. Assemblée. Ah, ok. Voilà. Oui, vous pouvez créer le dodo au laboratoire de recherche animaux disparus. Yeah! Maintenant que vous avez trouvé quelques fossiles et que vous les avez rassemblés, le moment est venu voir ce que vous êtes capable de créer. Le conseil de repeuplement de l'île, par exemple, aimerait vous voir créer un super animal disparu. Je vous promets de vous créer 15 000 dollars pendant si vous y parvenez. Un animal, le dodo. Cliquez ou appuyez sur espace pour commencer. Faudrait lui créer un super dodo. Hein. Les espèces animaux sont plus grands, en meilleure santé et vivent plus longtemps que les animaux normaux. Super total. Attendez, pause s'il vous plaît. Désolé pour cette interruption, que ce qui n'était pas voulu. Donc déjà, Bongo, c'est qui le bon? Ah, c'est eux, d'accord. Donc déjà, pause. On va le faire, continuer un peu par là. Voilà. Ça, c'est bien. Ouais, c'est un peu space, mais bon, vraiment, ça. Je pense que là, maintenant, ça va aller. Ouais. Sinon, le dodo. Biome forêt tropicale. Il y a un étrange animal. Lui aussi, dans un truc tropical ou pas? Il me demande si. J'espère que. Oui, de toute façon, c'est. C'est des herbivores, il risque pas de le manger. Non. Et sinon, il mange quoi lui? Bon, on va lui mettre ça et puis.
puis un autre truc d'eau parce qu'ils sont plus beaucoup. S'ils ont une quantité de jouets, bah je vais développer Caillou et Dodo. Et ça. Bah, je dépose tout qui banane. Et puis ils ont ça déjà de base, donc ça va. Donc animaux disparus, déjà on a lui. Non, ça c'est un truc. On a le dodo, animaux disparus. Et ça c'est un animal disparu aussi, d'après ce que je pense, d'après ce que je me souviens. Et t'as disparu, ouais. Bah je vais devoir partir en mode. Mode Indiana Jones. Ok, c'était tout seul les trucs. Je vais aller plus vite comme ça. Ah oui, je suis obligé de creuser, idiot. Ah bah non. Je creuse par la pensée. Un orogue, je voudrais trop. Je trouverais trop de l'avoir. Ah, t'as un plan? C'est. Je sais pas comment tu l'as eu, mais bravo à toi. Même si bon, et c'est vrai que le. Et ça, hein, ça permet aux gens de creuser et quand ils trouvent un fossile, maintenant ils l'emmènent au labo de recherche. Et avec toutes les coupures, je ne sais même pas à combien de temps de vidéo j'en suis. Avec toutes les coupures que j'ai faites. On doit être le rock, je pense. Là, un cadeau de Noël pour un bœuf, ok. Vélociraptor, oh non, vous avez créé des raptors. Ouais, j'ai trouvé un truc de raptor. C'est quoi ça? C'est pour un bœuf? Mais faut faire quoi? C'est quoi exactement? Les animaux aussi me ressortent des animaux. Le cadeau de Noël, bœuf se présente sur la forme d'une boîte recouverte d'un emballage coloré d'un joli. Les animaux adorent s'amuser avec la boîte. Ah ok, donc c'est pour un bœuf. Parce que j'ai pas de bœuf. Donc maintenant, allez, on va assembler des fossiles. L'orax, moi je voulais assembler d'abord. Ok, donc déjà on va les mettre sur le côté parce que là je vois pas trop comment, à quoi ça ressemble. Ok, donc j'ai fait c'est là. Yeah. Et maintenant le petit oiseau avec des le dinosaure avec des plumes, voilà.
Oh, le torticolis qui doit se payer, le pauvre. Maintenant. Ah non, mais si c'est mon PC, il a bugué. Mais je t'aidais pas, il a à moitié buglé, mais je l'ai pas entendu. Bah, on va le laisser sur le côté pour l'instant, mon petit, désolé. Et maintenant, on va passer au Apterotérix. Là, je peux pas le. Ah, mais c'est bon, je l'ai assemblé le. Ah, ok, d'accord, on doit le rechercher d'abord comme ça, d'accord, ok. J'étais censé le savoir. Mais sinon, là, mon. Mon mec là. Il en est où, lui? Le mec habillé en. Ok, donc peut-être que si on va. Déjà, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, studio. Charlie, il n'y a pas moyen de. Ouais, c'est pas grave. Donc maintenant, voilà. Voilà. Écrire un super, ok. J'aime bien comment on crée ensuite, on joue avec des flèches pour créer un dinosaure, un animal vivant. Moi je dis c'est classe. Ah, Marika, j'en avais pas. Et. Ouais, mais je sais pas pourquoi, le rock, j'ai pas envie de le foutre avec les machins, quoi. Je sais pas pourquoi. Une impression que ça va pas aller. Un gnou. Ok, donc on va tout verrer. On va changer. Oh, un Canthrosaure. Oui, c'est de la famille d'un Stégosaure, je pense. Donc, sur cela, on va se laisser. Donc, hein, comme toujours, hein, pour le site, hein, www.amatest.com, le forum amatest.xoit.fr et la chaîne communautaire amatest.com. Sur ce, je vous dis salut à toutes et tous, passez une bonne journée, une bonne nuit et à la prochaine.